pose des pylônes, la pose des fûts, c'est celui-ci. Ah ouais. Peut-être qu'on va regarder derrière. Là, c'est l'accès de facile. Voilà, tu vois, il là. Donc là, en fait, vous posez les... Vous en avez posé combien? On en a posé 14. Ça, c'est la grosse tête. Ça, c'est la pièce la plus lourde. Mais ça va vite, en fait. Oui, mais là, il a coupé. Là. Il a fait un montage. Non, non, il a fait deux jours pour faire le montage, mais il vient ça, un nana, il a essayé la laine. Non, non, mais c'est pas... Le montage, c'est pas vite fait. J'ai vu là aussi, c'est un peu différent. Donc là, ça, c'est en accéléré, mais en vrai, tu mets combien de temps pour poser un pylône? Bon, on a mis un jour et demi. Un jour et demi? Pour faire toute la ligne, ouais. Ah, toute la ligne? Et puis ça, c'est le étalé, le pylône, là, les batteries, comme on dit. Je te montrerai où les gens déposent. C'est un filet dans le pylône, là. Tu vois, s'il faut être précis. Tac, c'est un millimètre. Et puis, tout ça, ça t'a battu. Ça, c'est rapide, d'ailleurs. C'est de l'autre côté. Faut pas avoir vertige ? Non, non, faut pas avoir vertige. Bon, on a attaché, hein. Ah, bon. Tu peux me dire ce que vous faites, alors, aujourd'hui ? On va faire l'épissure pour le nouveau installation du Médran 4. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on doit rapprendre le câble pour que... Et c'est une épissure sur 70 mètres environ. Donc ça veut dire que tu mets deux câbles ensemble? Oui, on va ouvrir le câble et on va marier le câble avec des torrents. Ça va nous prendre deux jours de boulot environ. On rentre le câble à ça, puis à chaque 100 mètres, il y a des nœuds. Il y a un torrent qui remplace l'âme. On retourne dans l'autre sens. Les torrents, c'est la partie grise qu'on voit là. Et puis de diamètre, il fait combien? Il fait 56. Ça, c'est les nouveaux câbles qui sont silencieux. Ah ouais? Souvent, en cause des habitations, ils sont beaucoup plus silencieux. Avant, il n'y avait pas cette pièce noire qu'on voit. Ah, c'est la pièce noire qui rend silencieux. Exactement, oui. Ça fait dire qu'on a développé ce câble, surtout dans les villes. C'est tout du câble comme ça, puis maintenant... De plus en plus, ils mettent aussi sur des installations comme celle-ci. Quoi. Ils ont donné du mou au câble pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire l'épissure. Donc là, tu dis? Oui, sur toute la longueur, depuis là-bas, sur 70 mètres. Depuis là-bas au fond, on va poser le câble sur ces chevalets là qu'on a préparés pour pouvoir épisser le câble. Il y a 8 torrents. Ouais. Ici, ce sera le plus gros qu'on a sur le secteur. Ça fait 10 km. Pas tout croire ce qu'il raconte. Il est de moitié parce qu'il n'a pas eu. Puis donc là, on dit faire l'épissure. Ouais. Ben, en fait, vous faites comme du tricot. Sage. Ouais, très sage. Là, on démonte les câbles. Il faut le remonter après. Là, tu démontes. Ouais, là, on l'ouvre. Ouais. On remonte. Ah, on ouvre. On va faire le câble. Puis après, on rentre une partie qui va en bas, puis une partie qui rentre ici. De l'autre câble. De l'autre bout. C'est compliqué, mais c'est tout grave. Pour que ce soit bien imbriqué, quoi. Voilà. Ouais. Puis là, vous êtes combien pour faire ça? Vingtaine.